Voilà, mon frère, mon sœur, il est toujours une la joie pour moi pour vous apporter la parole de Dieu. Et avant qu'il m'annonce le titre, l'eau qui nous peut causer ce matin, laisse-nous remercier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci. Toi qui nous donnes la mission pour annoncer ta parole, en même temps, ton Dieu nous te confirme cette parole par un signe, miracle, prodige qui nous accompagne. Me croire avec tout mon cœur qui me cause par révélation, par inspiration, me cause avec assurance. Parce qu'il me cause ta parole et non pas ma parole. Ta parole, il crée la foi, il guérit nous l'écho, notre âme. Seigneur, il établit nous dans la justice, il sauve nous, il guérit nous. Je dis toi merci parce qu'il nous donne les cœurs pour comprendre, les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre. Je loue toi de ce que ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse un travail. Donne-nous les cœurs. Je loue toi de ce que, Seigneur, nous mords dans ta grande protection, dans la bonne santé, dans l'abondance et dans la grâce. Ne peut faire progrès après progrès. Ne peut aller de gloire en gloire. Tu es notre Seigneur, personnellement, pour chacun parmi nous, et nous déclarer aussi que tu es le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Eh bien, ce matin, comme on m'a annoncé, donc dimanche, je vous cause avec vous, l'esprit, la force, le démon, qui rebloque nos bénédictions, quel que soit le nom de la bénédiction qu'ils sont capables de citer, guérison, provision, progrès, bloque-nous la vie de prière, vous voyez. Mais pour choisir quelques passages qui nous plus connaissent, mais pour que l'on là, on a assez de détails, afin que tout le monde puisse comprendre, et surtout donc, nous tire profit de ça. Je vous demande de bien écouter, parce que très souvent, quand nous trouvons dans la prière, tarder pour gagner l'exaucement, ou bien le miracle est presque jamais pour réaliser dans nous la vie, nous pensons que bon Dieu peut bloquer le miracle là quelque part. Quand il arrive nous un miracle qui peut tarder pour réaliser, nous avons la pensée, nous condamnons nous-mêmes, nous disons qui m'a fait de mauvais, ou bien si nous avons l'autre raison, qui nous médite l'orla, nous disons peut-être bon Dieu peut retarder mon miracle. Eh bien, laisse la parole de Dieu répondre nous. Pas besoin de nous tirer nos propres conclusions. Laisse-nous gagner la réponse à travers la parole de Dieu. Le passage qui m'ont choisi, m'ont déjà causé en partie l'orla, et m'ont réétudié la chose ces quelques temps, et m'ont vous donne plus beaucoup de détails. L'apôtre Paul, il peut causer maintenant. Il peut causer avec ban frère et ban sœur de Thessaloniciens. Gloire à Dieu, merci Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Le verset 17, 1 Thessaloniciens 2, verset 17, mais c'est le verset 18, là, qui nous peut appuyer. Il y a pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu de temps plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, vous voulions-nous aller vous voir, et qu'il dit là, nous désir, vienne visiter vous. Du moins, moi, Paul, une ou même deux fois, il dit, une fois, même deux fois, mon pensée, mon souhaité, donc, eh bien, pour venir regarder ça. Mais regardez donc ce qu'il dit, qui fait les peines de venir. Les peines de venir, il manque les temps. Les peines de venir, il n'est plus un désir. Guette la raison qu'il lui donne, il y a. Mais Satan nous a empêchés. Qu'il lui peut redire? Satan, finalement, empêche-moi, et tout le groupe qui tu pour une visite ça, Satan, in empêche-nous, vin visite ça. Parce que Satan, certainement, l'y connaît, quand l'apôtre Paul visite la ville, visite une église, visite une famille, quelque chose changé. Ben, malade guéri, vous voyez, il a toutes sortes de qualités miracles, toutes sortes de qualités bénédictions. Alors, Satan, il met un blocage. Il met un empêchement dans le ministère de l'apôtre Paul. Est-ce que ça, l'empêchement-là, les conseillers disent l'apôtre Paul? Non. Satan, il target chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, c'est ce cible. Le rôle de faire de nous tous une victime. Comment? Il essaie de bloquer nos bénédictions, bloquer nos bandes démarches, bloquer nos développements et nos bandes progrès. Merci Seigneur. Laisse maintenant donc me lire cette traduction dans d'autres traductions. Ce verset plutôt dans d'autres traductions. Une traduction qui m'ont choisi, il dit Satan put difficulties in our way. Il met difficultés, l'on nous s'y met. Vous connaissez quand quelqu'un a une difficulté, l'on s'y met, ça les retarde. Les visins prennent le temps pour, comme tu dirais, les cancel cette difficulté-là. Et parfois, difficulté-là, elle est tellement grande qu'il n'est pas pour atteindre le but. Et le traduction, il met une bloquée. Bloquée.
comprenez un blocage, ce que cela veut dire, comme un mirail, comme un empêchement. Et la traduction, elle met tout detain. Detain veut dire les retenir où? Les garder en place là. Les empêcher de bouger pour faire progrès. Ou bien résister. Et dans l'autre mot en anglais, donc, les mettre tout withstand. Il y a en face à face devant où les empêcher à de l'avant. Mais on a la joie pour nous autres. Dans tout le cas qui m'a cité tout à l'heure, et tout le cas dans la parole de Dieu, à chaque fois, Satan, il a envie de bloquer un enfant de Dieu, bloque le peuple de Dieu, il peine réussir. À chaque fois, l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, il fait exactement ce qu'il vise à faire. Résultat, la défaite de l'ennemi et l'avancement, le progrès de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu et du peuple de Dieu. Maintenant, on remarque, il y a des quelque chose, donc, il tout le temps fait tout quelque chose, le diable. Mais la Bible dit, nous, il y a un ou des quelque chose qu'il fait régulièrement, continuellement. Un là-dedans, c'est qu'il y accuse les enfants de Dieu continuellement. Nous retrouvons ça donc et bien dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Les diables comme ça donc les accusent les enfants de Dieu. Le terme diable veut dire l'accusateur. Qu'est-ce qu'il dit? Jour et nuit. Jour et nuit. Voyez, nous voyons ce que cela signifie pour nous tout à l'heure. Merci Seigneur. Alors, nous pouvons maintenant, donc, parce que la Bible donne nous le moyen pour nous capables de vaincre ce bon accusation, et ce bon résistance, et ce bon blocage, et ce bon empêchement. N'a pas laissé Satan bloquer. Je vais vous montrer plus tard où il a pouvoir pour bloquer. Comment on dit ça, Patrick Cyril? La Bible dit qu'on a lié, qu'on a empêché. Nous capables d'empêcher, empêche-nous. À travail, empêche-nous de l'avant. Nous, nous empêchons-les. Il n'est pas qu'avant, empêche-nous-les. Si nous connaissons ce qu'il nous vise à connaître. Merci Seigneur. Mon gloire à Dieu, mon découvert ça depuis assez longtemps et mon gain pas mal de victoires à cause de cette connaissance. Donc, mon répété, nous pécons ce matin, là, comment nous capables de vaincre. Hallelujah. Avec joie. Tout un démon qui rebloque nous, qui crée blocage, qui recrée l'empêchement, qui résiste nous, afin que nous capables d'accomplir tout ce que nous visons accomplir. Nous capables de recevoir tout ce que nous visons recevoir. Nous capables de devenir tout ce que nous capables de devenir. Bon Dieu n'a pas capable de promettre quelque chose et puis il y a te connaît dans certains cas, Satan lui pour bloquer toi, peut-être te pas pour rien sa promesse. Ça, non. Ça, c'est pas le langage de Dieu, ça. Dieu pas qu'à dire, on te connaît, mon tonné pour te vine, pour te opérer signe, pour 10 miracles, mais Satan qu'à bloquer toi, alors s'il bloque toi, on va pas faire rien. Ça, c'est pas le langage de Dieu. Satan pour essayer bloquer, pour essayer empêcher, mais il n'est pas pour capable, il n'est pas pour réussir si vous faire ce qui est besoin faire. Hallelujah. Alors, pour nous continuer, laisse-moi dire que, on vous besoin qu'on fait la différence. En comment est-ce qu'il bondit agir et comment est-ce qu'il Satan agir. C'est très, très, très important. Malheureusement, la religion, il mélange tous les deux. Parfois, je confonds entre un acte de Dieu et un acte, une action de Satan. C'est que Satan fait, je veux dire, bon Dieu qui peut faire ça. Vous voyez? Et c'est que bon Dieu fait, je veux dire, Satan qui peut faire ça. Et c'est que Satan fait, je veux dire, bon Dieu qui peut faire vice versa. Vous voyez? Par exemple, quand il y a un cyclone, un tremblement de terre, qui directement un acte de Satan, vous dites, mais ça, c'est bon Dieu qui fait faire ça. Vous voyez? Ou bien donc, quand vous êtes à côté d'un sorcier, votre rôle de protection, je crois que Satan n'est capable de faire bon quelque chose pour vous. Non. La Bible, c'est la vérité. Laisse la parole de Dieu répondre nous. Merci Seigneur. Hallelujah. Parce que si vous ne connaissez pas la façon d'agir de Satan et la façon d'agir de Dieu, ou pour capable, justement, mal interprète les choses. Quand quelque chose est présenté dans la vie, on dit, qu'est-ce que bon Dieu peut faire? L'église, c'est pas bon Dieu, c'est Satan, ça. Etc., etc. Merci Seigneur. Dans la parole de Dieu, les actes de Dieu et les actes de Satan sont très distincts. Sont très, ou capable facilement qu'on parjote. Eh bien, on n'a pas besoin loin pour connaître comment bon Dieu agit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. La terre était informe et vide. La Bible pas dit à nous que Dieu t'y crée ce qui est vide et ce qui est informe. La Bible dit à nous, la terre était informe. Sinon, très loin dans la traduction hébreu, il y a devint informe. Quand quelque chose vient de devenir quelque chose, vous voyez, il n'est pas comme ça avant. Ce qui montre nous que la première création, les parties vides, les pas donc et bien les parties en chaos, les parties donc et bien difformées. Mais Dieu quand il intervenait maintenant, il crée la lumière et tout ce qu'il fait c'était bon, 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 bon. Donc on a une idée très claire maintenant. Non mais vrai, mais parfois arrêtez que toi parfois la Bible dit à moi Dieu lit tout le temps pareil. Amen. Quand il commence à faire bon, il tout le temps fait bon.
Un bon Dieu pas capable de faire mauvais quelque chose. Merci Seigneur. Jésus-Christ même dit comme ça, Dieu lui donne des bonnes choses. Alors ça, nous besoin bien comprendre ça. Mais l'histoire, nous guette un verset qui peut causer lorsqu'il nous peut causer là. Est-ce que bon Dieu tardait pour lui répondre non? Eh bien, Jésus-Christ répond ça formidablement à travers une parabole. Je te rappelle dans Luc 18, merci Seigneur, que là donc, eh bien, l'expliquer à Lydia comme ça, il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Alors, et puis, il montre nous qu'il a donc, c'est à Dieu qui nous prie là, il n'est pas tardé pour y exaucer nous. C'est ça qui est intéressant, ça. Alors, il donne une comparaison, comment on est capable de dire, je ne vais pas dire incomparable, mais extrême, voilà, pour nous faire la différence. Il dit, dans la ville, tu as un mauvais magistrat. Vous voyez, qui tu disais. Je connais, donc, à cette époque surtout, pas tu n'as, ou pas tu es capable, ou pas tu as fait appel qu'un magistrat prononce qui soit, il prononce qui soit, à Zodi, ou capable de faire appel. Ou capable même guidban avocat l'Angleterre, vous voyez, contester jugement. Ça, à l'époque-là, on n'a pas qu'à contester jugement. Parce qu'il y a encore une assa la loi là. Alors, ce magistrat-là, donc, l'itina comme quelqu'un qui peut plaider de sa cause, une madame, une veuve, là. Donc, je trouvais qu'il s'en madame-là, l'itina défavorisé parce qu'il n'y a pas aucune défense. L'itina tout seul, l'itina beaucoup l'adversaire. Parce qu'il y a très clairement, fais-moi justice contre mes adversaires. Pas mon adversaire, mes adversaires. Qui n'a arrivé donc, nous tout comprend. Je connais ça à l'époque-là, quand madame, son mari, moi, du coup, il prend ce bon affaire. Ce bon famille même, ce bon beau-frère, beau-père, etc. Et il est en défense. Au moins, il y a le devant magistrat. Il plaide sa cause. C'est justement ce que sa madame-là qui fait. Eh, magistrat, pas prendre les comptes, pas prendre les comptes. Mais sa madame-là qui persiste, mon camarade. Gloire à Dieu. À un moment donné, le magistrat, il dit, moi, pas père bon Dieu, moi, pas respecté du monde. Mais laisse-moi faire les justices. Afin qu'il n'ait pas continué, rompe-moi la tête, fatigue-moi. Alors, Jésus-Christ dit ça, regardez, écoutez plutôt ce qu'a dit le juge. Il dit, est-ce que nos papas n'ont pas fait nous promptement justice? Vous savez, promptement, il n'est pas tardé. Qui fait, dis-moi, bon Dieu, tardé. Ou rétard, il n'est pas venu de Dieu. Il leur fera promptement justice. Justice. En anglais, il met speedily, avec vitesse, mon camarade. Ça, c'est nos bon Dieu qui nous adorent ça. Les répondent non, speedily. Les répondent non, avec vitesse. Les répondons rapidement. Tiens là où penser, bon Dieu qui peut tarder. Tiens ça là où coco la tête, c'est pas bon Dieu qui peut tarder. Merci Seigneur. Me donner un autre exemple, donc, toujours dans l'évangile de Luc. On a remarqué que Luc est différent avec Marc, avec Matthieu, et Jean est plus différent encore. Ou pas pour qu'il y ait une parabole fils prodigue dans Matthieu, dans Marc. Ou pas pour qu'il y ait justement ça passage qui m'a fait qu'il y a là. Ou pas pour qu'il y ait donc une parabole de Lazare et comment ça s'appelle là. Et le riche. Et ou pas pour qu'il y ait donc, eh bien, la guérison de cette femme courbée à la, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Super. Alors, il racontait donc que Jésus se rend dans une synagogue le jour du sabbat. Il rentre dans une synagogue le jour du sabbat. Ce qui est arrivé donc, eh bien, il trouve une madame courbée pendant 18 ans. Et la Bible de nom explique nous que cette femme était courbée donc, eh bien, par caboussé, le besoin d'y aller en créole. Et c'était Satan qui était lié pendant 18 ans. C'est l'explication de Jésus. L'explication de Jésus, c'est la seule explication qui est vraie. Vous voyez, la médecine est capable de donner l'explication. Si je suis présent, si je suis, vous voyez, consulter la dame. Et donc, l'étant Jésus-Christ, regardez maintenant le langage de Jésus. Il dit, femme, tu as été délivrée. Il paraît drôle. Tu as été délivrée. Cela veut dire, bon Dieu, dans ce plan, dans ce bon décret, l'infini déclare-toi guéri. Amen. Et si tu tardes pour ton gâteau guérison, ce n'est pas bon Dieu qui peut tarder. Bon Dieu, l'infini déclare-toi guéri. Maintenant, laisse-nous qu'il y ait un autre quelque chose maintenant pour montrer nous qui est Jésus-Christ. Lui montre nous que quand Dieu lui fait quelque chose, il pas pour renvoyer la chose, il pas pour dire demain après demain, il fait rester la même. Le chef de la synagogue dit comme ça, donc, eh bien, Zodi, sabbat, Zodi, pas capable de travailler, pas capable de guérir, venez le jour, qui faisait pas venir le jour de la semaine. Jusqu'à dire, hey, c'est vrai, d'eau. Jusqu'à dire avec la dame. Pendant 18 ans, tu es malade. Mais qu'avant, tu as encore 24 ans. Là, des autres sont venus. Hein? Il dit, vous disais, une grande consolation. Non, 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 non. Il fait la chose bien vite. Très vite encore. Amen. C'est pour montrer au caractère, bon, on dit ça. Quand on lit la Bible, on rentre dans la Bible là. On fait la Bible là, rentre dans moi.
Vous voyez, moi, fait, moi, dire, moi, là, moi, peut guetter qui Jésus-Christ peut faire, puis dire, moi, pose des questions. Les là, mon gain, ça m'a une révélation, là, bon, frère, bon, sœur. Bon, Dieu, il n'y a pas tardé. Sabbatiment, donc, il m'a peut prêcher, là, donc, eh bien, vous voyez, alléluia. Eh bien, moi, fini, là, 9 mois retard, là. Vous connaissez qui fait, là? Parce que moi, moi, tu peux croire, Seigneur, quand tu peux agir, quand tu peux intervenir, quand, moi, tu peux presque, dire, donc, eh bien, lui, tu as encore un terrain, l'air, là. Mon vie de mon manque de sommeil, mon décourage moi-même. Quand on reprend moi-même dans l'espace 7 jours, 8 jours, pour gagner ce qui est besoin, pour payer le terrain et pour entamer des morts, donc pour montrer la construction. Là, moi, je guide ça. Pendant 8-9 mois, mon fait moi-même misère, mon blâme bon Dieu dans mes pensées. Il y a un Seigneur qui fait un lancement d'un projet pareil. Bah, Américain, pas payé de moi. Sud-Africain, pas payé de moi. Européen, pas payé de moi. Ah, je vous montre tout ça, t'as l'air. Nous la bouche, les cas, un grand empêchement. Pas juste des mots, hein, nous la bouche. Ou la bouche capable d'empêcher ou d'être béni. Hein? Ok, merci Seigneur. Donc, nous trouvons ça maintenant. Qui Jésus-Christ, instantanément, lui guérit la femme courbée, qui t'y courbée pendant 18 ans. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, il dit ça très clairement parce qu'elle est une fille d'Abraham. Hein? Ça vient, cette dame, elle est supposée jouir de la santé d'Abraham. Elle est supposée bénéficier les promesses de bénédiction. Hein? Et une de ces promesses-là, c'est la guérison et la santé. Si je lis la Bible, vous pouvez trouver que presque tout, sinon tout, vous voyez, parce qu'il est difficile pour moi pour trouver que Jésus-Christ fait un miracle et qu'il vient un enzo des eaux pour miracle accomplir. Non, non, non. À chaque fois donc, eh bien, il est sur place, il commande un miracle, il est arrivé instantanément. Tout miracle que Jésus-Christ fait, guérison. Vous voyez, jamais il tient pour les mains qui quittent, il dit, allez donc, eh bien, attends ta guérison manifestée. Nous nous disons maintenant pour certaines raisons. Mais nous devons arriver à un moment donné dans nos ministères, dans ce pays, que là nous trouvons une guérison instantanée. Jésus-Christ t'y guérit tout du monde instantanément de t'y guérir. Il n'est pas mauvais quand nous trouvons une guérison graduelle. Mais il n'est pas la volonté de Dieu parfaite. Moi-même, dans certains cas dans mon vie, ma guérison est manifestée graduellement. Moi, certainement pas peut critiquer ben du monde qui peut attendre guérison et qui peut attendre d'autres guérisons, qui peut trouver d'autres guérisons manifestées, t'y guide par t'y guide. Il est beaucoup meilleur qu'il s'en met ou être guéri. Mais d'après la volonté de Dieu, je me trouvais donc, eh bien, que quand Jésus-Christ fait quelque chose, ah, mais ça s'appelle Jésus, mais Jésus-Christ dit, nous, comme ça, nous capables de faire comme Ali. On va connaître, durant cette période de confinement, moi, j'ai eu beaucoup l'occasion, donc, eh bien, pour étudier, pour aller en profondeur, pour méditer, etc. Mais un miracle de provision pareil. Tout ce que Jésus-Christ vient faire. Quand il multipliait du pain, multiplier donc et eh bien poisson sans de l'eau en vin, je vais dire bon et eh bien donc et eh bien on commence à de l'eau là vigne divin, pas trop connu quand les bougains goût divin, eh bien mon père la case moi attendre les 3 temps, non instantanément, quand surtout quand les ressuscite du monde mort, il n'est pas qu'à dire Lazare sort et puis donc et eh bien bon vous êtes connu l'utilise ça mon cadeau attendre encore les 3 jours jusqu'à qu'il relève instantanément il est relevé. Qui m'a peut dire que la puissance de Dieu les manifester tout de suite vous voyez. Le retard qui nous a enduré, soit un manque de foi de notre part, soit il y a un acte de Satan, vous voyez. Et dans tous les cas, nous tous sommes capables de régler ce problème-là. Merci Seigneur. Laisse-moi de nous maintenant donc, eh bien, mon besoin d'y aller, parce que la Bible dit à moi donc, mon besoin médite le miracle qu'ils vont Dieu faire. Quand Jésus-Christ a calmé la tempête, vous voyez, il peine 2-3 fois, donc, eh bien, silence tais-toi, un seul coup, et tu as un résultat immédiat. Immédiat. C'est pour cela que, surtout quand je lis l'évangile de Marc, je vais trouver les actions de Jésus sont opérées à ce qu'il nous appelle donc eh bien le passé simple. Et contrairement donc eh bien à l'imparfait. Quand nous dit le temps imparfait, vous voyez, tu es continu à faire une affaire. Mais quand le passé simple veut dire l'instantané, vous voyez, les causer instantanément y arriver. Hein? Il arriva que. Il fut guéri, vous voyez, etc., 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 etc. Merci Seigneur. Alors, je vous trouve ça aussi, donc, eh bien, quand Dieu causait dans l'Ancien Testament. Quand il dit avec Josué, concernant Jéricho, concernant la terre promise, dans une ou deux occasions, mon préfère, donc, eh bien, n'a pas pour faire oublier à lui, parce qu'il vous prend trop beaucoup de temps, mais prends le temps à lire, hein. Dieu dit avec Josué, mon fini, donne-toi Jéricho. Josué est-il de l'autre côté Jourdain? Il n'est pas encore même traversé le Jourdain. Il n'est pas encore même trouvé Jéricho avec celui qui est mon fini, donne-toi lui. Hein?
Alors, qui libère Diao? Dieu l'infini agir pour Josué, pour le peuple d'Israël, même avec Abraham. Il y a mon fini, fais-toi, vine, papa's enfant. Isaac n'a pas encore existé. Il n'a pas encore même être conçu. Sarah est encore stérile. Et pourtant, Dieu dit, mon fini, faire-toi, fais autre, vine, papa, maman. Ça, c'est ce langage. Vous voyez, pour montrer nous qui Dieu, il n'a pas dit, bon, moi, promets-toi ça, quand vous décidez maintenant, donc, moi, je ne sais pas, moi, qu'à réaliser pour toi ou bien. Non, non, non. Dieu l'y agir avec rapidité. La Bible même dit, nous, sa parole court avec vitesse. Vous voyez, sa parole accomplir avec vitesse. Hein? La lenteur, lui vient soit, lui causée soit par le diable, soit donc par notre manque de foi. Mon père dit ça donc est bien pour me condamner. Non, non, non. Il y en a des trois choses qui me connaissent, nous bisons à Tan. Vous voyez, par exemple, le ministère, par exemple, c'est une quelque chose, un développement. Quelqu'un n'a pas qu'à dire, bon, on comprend maintenant, bon Dieu, il y agir avec rapidité. Moi, pour planter j'arrive au grand matin, tantôt, moi, pour récolter là. Ah, non, 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 non. Tu es capable d'atteindre une grande récolte plus tard. Tu es capable d'atteindre 100 fois plus comme récolte. Mais tu as besoin de la nature, donc, sur l'époque où il travaille. Moi, parce que, ben, promesse de Dieu là, de guérison, de la santé, de progrès, de l'avancement, la vie financière et les choses pareilles. Même dans les choses qui m'ont fait causer là, donc, nous cavatan qui est une accélération, vous voyez, mais c'est un quelque chose qui nous vise à respecter. Merci Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons que Dieu lui aime aussi et un langage du passé, si nous capables de dire. Quand la Bible cause nos guérisons dans le Nouveau Testament, il ne jamais dire, par ces meurtrissures, vous serez guéris. Non, 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 non. Vous avez été guéri. Cela veut dire, l'action a été faite. Le résultat, il est là. Personne n'est pas capable de faire ça. Pour ces meurtrissures, vous avez été guéri. Hein? Merci Seigneur. Ou bien, concernant bénédiction, lui dire, gloire à Dieu, lui dire, nous rendre grâce à Dieu qui finit bénino, qui finit bénino. 1, Éphésiens 1, verset 3. Qui finit bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, aux yeux de Dieu, c'est déjà écrit que nous sommes déjà bénis. Si quelqu'un, maintenant, il y a profit de Dieu, il y a Seigneur, bénis-moi quand tu pour bénis-moi. Ah ben, Jésus-Christ pour y aller, ou bien le Saint-Esprit pour y aller, eh bien, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Qui m'ont dit dans vos paroles? Hein? C'est toi qui peux comprendre les, ou bien qui pas fini les de près. Bon, fini, bénis-toi. C'est toi qui viens enlever un obstacle pour trouver une bénédiction là réalisée. C'est toi qui viens faire la foi agir pour une bénédiction là réalisée dans toute la vie. Merci Seigneur, alléluia. Laisse-moi dire ceci, parce que dans dimanche matin, nous pécons lors la foi. Un grand secret de la foi. Grand, grand secret de la foi. C'est qu'on connaît et on croit. Qui c'est qui vous peut attendre là? Bon, Dieu ne finit, fait on ne peut pas dire qu'on finit un lit. Et c'est moi qui vous croire qu'on finit un lit. Bon, répétez. Un de mes grands secrets, la foi, c'est de connaître et de croire. Pas juste connaître. Pas juste lire un lit et citer lit. Mais on croit là-dedans. Que Dieu, concernant guérison, il finit de déclarer ou guéri. Concernant délivrance, il finit de déclarer ou délivré. Concernant bénédiction, il finit de déclarer ou béni. Il finit de nous la grâce pour vivre dans l'abondance. C'est moi qui vous croire là-dedans. S'il y en a un obstacle, on enlève autre. Et on vit dans cette plénitude de bénédiction. Ah, moi, pas qu'avant, empêche-moi de penser ça, parce qu'ils te connaissent, donc, eh bien, ça, tu, quand tu lis ça, moi, pas qu'on est, moi, crois, moi, je prends 3e temps, moi, je sens quantique très, très loin dans le passé. Quand là, moi, pas, tu encore peux vivre à l'aise, comme on peut vivre à ce là financièrement parlant. Moi, pas vivre dans le luxe, mais moi, vivre à l'aise, c'est-à-dire, moi, pas de droit à personne, etc., etc. Et l'église aussi, donc, nous, tu dans situation, financière, nous, pas, tu à l'aise. Ne pas être dans dette, non. Mais nous devons attendre la fin du mois pour nous capables, donc, faire tout ce qu'il nous vise à faire. Un jour, je peux lire mon camarade préféré dans l'Ancien Testament. Si je peine tant de moi de dire ça, je vous dis là. Si je ne tente moi de dire, je m'aurais dit encore. C'est tonton Élie. Et puis Élisée. La Bible dans nous, comme ça, donc, est bien dans 1 Roi, chapitre 17. Élie n'est qu'apparaître. Et il dira avec Acab, le roi, moi, je suis serviteur de Dieu. Pas pour une appli, au moins qu'il me prononce, etc., etc. Et puis donc, Dieu dira avec Élie comme ça donc, allez dans l'endroit spécial. La pluie va pas tomber, mangez la peine. Allez côté un torrent qui s'appelle Kérit. C'est ça que je lis ça. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon fini. Comment ban, kobo, pour nourrir toi là-bas.
Je dis pas, un hal toujours, mon gâté, comment vous pouvez faire là? Non. Il y a un peu pareil comme Dieu, qui crée Adam et Ève. Il n'est pas créé d'autres, les médias, là, il dit, ah, moi, vous avez fait une ordre, ça, coup là. Ah, yo, moi, vous avez mis un peu flair, ça, coup là. Non, il finit prépare tout. Il est là, les médias, là-dedans. Super. Vous voyez? Il y a un peu pareil comme Dieu, maintenant, donc, qui envoie le peuple d'Israël dans la terre promise. C'était déjà en la terre, côte coulée, le miel, côté dans la cage, il finit bâtir, jardin, il finit planter. C'est ce que la Bible dit, non? Il y a ce poil là-bas, hein? Je pourvis devant la cage que je peux même construire. Jardin que je peux même planter. Moi, je finis préparer ça pour vous d'avance. Guette qui bon Dieu, puis adorer, papa. Guette qui bon Dieu, nous puis adorer. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Et aux grandes histoires, il est fini la même. Dans le même chapitre, la Bible dit, nous, te rend là, il sec. Dieu peut dire avec lui, mais tu connais qu'il ne m'a pas fait. La sécheresse, ça, tu connais? Non, il y a l'île, tu as l'autre endroit maintenant. Mon fini prépare, mon fini commande en veuve pour nourrir toi dans la ville de Sarepta. Dieu ne finit fait aller. Il ne finit fait aller. Il va dire, allez, j'ai essayé, tu continues à prier un peu, peut-être le cœur de la femme pourrait être touché, et puis une agité qui va arriver. Non. C'est face à bon Dieu là qu'il nous a adoré. Merci Seigneur. À cause de ça même, étant le responsable, on dit ça avec humilité, de cette œuvre. À chaque fois, nous avons besoin de terrain dans l'endroit. Ça verser là, ça s'apite là. Les causes faux dans mon équerre. Dieu ne finit commander. Il finit connaître exactement comme nous voyons. Vous connaissez quand tu es rodé, non rodé pour beau bassin. Et nous rire dans nos figures. Vous ne pouvez pas croire. Pour rien au monde, on ne va pas pouvoir nous mettre terrain. Pourtant, vous êtes mis ça dans la gazette. Vous voyez. Pour rien au monde, etc. etc. Et là, Dieu dit moi comme ça. Qui s'en a fini de toi, Cyril, monter un bâtiment beau bassin. Il dit toi, Cyril. Alors, il y a. Vous connaissez que ça a été alors. Est-ce que vous croyez, dans 2-3 jours, vous venez dans ce terrain-là, je viens le propriétaire. Tombe un accord extraordinaire, un démon qui crappe le roupie, qui parle, et la façon que Dieu fait ça, l'extraordinaire. Il est formidable quand nous croyons dans sa bon Dieu, vous voyez, qui compte tout d'avance et qui enlève tout, qui est capable d'enlever tout un obstacle par sa puissance. Merci Seigneur, me rend grâce à Dieu. Amen, amen. Il est ainsi pour tout un endroit, hein, qu'il est Capip, qu'il est Goodlands, qu'il est Maïbo, qu'il est Rodrigue, partout, vous voyez. Je me rappelle pour Rodrigue, à la moins qu'il y ait un refus là. Il y a un peu de 4 millions, il y a un peu de portes, il y a rien, etc., etc. Nous avons un bâtiment, nous avons un terrain. 3 fois plus large que ce que nous trouvons, ce que nous pouvons négocier. Nous avons ça juste pour 800 000 roupies. Oh mon Dieu, super. Gloire à Dieu, Dieu enlève un obstacle. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, à ce moment-là, nous avons un passage qui justement prouvait, montrait où, que Satan lui crée l'obstacle quand on peut prier, quand on peut atteindre un miracle. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 10, verset 13. Vous lire ça parce que c'est un passage très connu. Merci Seigneur. Alléluia. Regarde donc ce que vous pouvez lire, frère, sœur. Daniel, chapitre 10, le verset 13. Alors vous connaissez donc, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que Daniel, le prophète Daniel, super prophète. Il veut prier, il dit, Seigneur, te finis dire que ton peuple pourra aller en captivité pendant 70 ans. 70 ans finis passés, ne va pas trouver ça à accomplir. Satan qui peut crier, rétard. Satan qui peut résister. Nous vous trouvons ça là. Vous voyez. Alors, les pays aînés donc, les pays aînés, il veut prier. Il me dit, Daniel, ne crains rien, vous pouvez lire au verset 12, car dès le premier jour, dès le premier jour, viens bon Dieu pas tarder. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Il va dire, on commence à prendre toi compte 10 jours après, une semaine après, 10 ans après, premier jour même. The very moment, dans mon corps, easy English, il dit, qu'importe, mais il y a une traduction, the very moment, le même moment. Parce que le mot jour, comment ça s'appelle? En hébreu, parfois il veut dire années, parfois il veut dire le moment, parfois il veut dire une heure, il dépend le contexte. C'est à cause de tes paroles que je viens, guette bien. Bon Dieu, il est venu à cause de paroles. Pas parce que vous pouvez déclarer le poète, la poétesse, non. Paroles positives, c'est tout. Dès qu'il dit là, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Résister.
Il dit, maman, vini le premier jour même, moi. Premier jour même, moi, je vais venir ta réponse là. Mais pendant 21 jours, le chef du royaume de Perse, qui nous tous nous connaît, c'est un démon. Vous voyez, un démon dans les airs. Maintenant, il y a maintenant dans, de dire ça, c'est l'Ancien Testament, ça, maintenant, ne pas croire là-dedans. Continue, crois ça même, toi. Vous voyez, mon plus sûr, moi, je suis dit qu'il y a l'expérience. Mon à l'école Maurice Cirulot, quand il a raconté sur l'expérience en Inde, comment il vient de combattre ban puissant dans les airs. Je crois dans le pasteur Yongicho qui dira absolument la même chose. Dans l'endroit où tu es allé, les visions avec bande puissante dans les airs. Eh bien, moi, il y a beaucoup de progrès que je fais là, quand je fais une convention. Je demande à l'équipe et moi-même, donc, eh bien, à la maison, combattre l'atmosphère dans ce l'endroit-là. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas tout du monde qui compte dans le mouvement du Saint-Esprit, certainement pas le diable. Bon, alors, laissez-moi venir là, donc, lui dire. Le chef du royaume de Perse, qui aujourd'hui on appelle l'Iran, vous voyez, m'a résisté 21 jours. Il cause une résistance. Qu'est-ce qu'il peut dire? Un blocage. Il dit, ça démon là, ça démon clé là, qui peut bloquer tout l'exaucement. Bloque réponse qui, bon Dieu, tu envoies pour toi. Il n'y a pas qu'à être plus clair que cela. Il y a un blocage. Mais, laisse-moi commander, là, c'est la même. Prince de Perse, pas prince de Perse, c'est pas que ça fait. Daniel, il gagne la victoire, lui. Faudrait pas vous dire maintenant, démon-là tellement gros, il peut bloquer moi-même, ça, on pas pour sortir là-dedans. Non, 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 tu débloques la situation au nom de Jésus. Toi, en pisse, lui, bloque-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si, moi, pas pour gagner le temps, lire, donc, eh bien, moi, crois pas, moi, je demande, ben là, mais ça, alors, comme verset. Mais, où vient lire ce contexte? Néhémie, chapitre 4, verset 8, là aussi, c'est un blocage. Là aussi, c'est la résistance. L'étant Néhémie, avec toute l'équipe, tu peux reconstruire la muraille de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Tu n'as pas nommé Sanballat, Tobija et ben arabe. Tu peux cause blocage, résistance. Vous faites autre arrêt de travail. Vous faites autre, etc., etc. Mais gloire à Dieu donc, eh bien, je t'y connais prier. Je t'y connais la guerre, je t'y persévérer, je t'y réussis donc, et bien, surmonte, ça ban obstacle là. Même affaire au cas de lire, dans Esdras chapitre 4, verset 21, je t'y roule arrêt ban travaux, qui Esdras peut faire. Même chose, ça, même groupe ça, Néhémie, Esdras, voyez, Daniel peut prier là-bas, le chant, etc. ici. Merci Seigneur, je peux travailler. Écoute ceci maintenant. Bon, dans le Nouveau Testament, on arrive à remarquer donc, maintenant, ça, c'est mon opinion. Si on a une autre opinion, pas bien la guerre. Hein? Garde l'opinion, mais vous respectez l'opinion. Mais c'est moi, je connais moi la raison. C'est ce que je vais vous dire où là. Ah, je ne vais pas dire ça par orgueil. Merci Seigneur. Vous connaissez qui est Jésus-Christ? Marc chapitre 4. Il y a un autre côté. Il est drôle maintenant, donc. Vous voyez? Il y a un autre côté. Mais l'autre côté, quand je peux aller là, tu as un possédé de Gadara, possédé de 1000 démons. Vous connaissez l'Osimé qui s'écrit, une tempête terrible. Une tempête. Terrible, terrible, terrible. Qui cette tempête-là, tu peux le faire? Coule le bateau là, on puisse aller délivrer ce quelqu'un. Moi donc, eh bien, c'est mon opinion, elle est comme ça. Parce qu'on trouve ça souvent. Comment on peut capable donc, eh bien, oublier, première fois, moi, tu viens au Congo. La guerre civile là-bas. Tout ça est étrange. Deuxième fois, vous allez au Congo, docteur demande un rapport médical. Faut dire où guetter ça. Ou par là-bas, ou par ici, ou les reins papiers de travail, ou risquer moi, ou par ici, par là-bas. Ça peine embête-moi, ça peine impressionne-moi, ça peine intimide-moi, mais on allait tout de même. Vous voyez. Vous regardez beaucoup de cas comme ça. Vous voyez. Beaucoup de cas. Je me rappelle, je ne suis pas encore en délivrance. Je ne suis pas encore même servi le modèle. Je suis encore en motocyclette. Mon tonton José Palmier, c'est un camarade qui est malade au coulée. Moi, Cyril Noël Guetli, donc, eh bien. Moi, je te connais, il n'est pas dormi bien à soir. Alors, mon ami, le motocyclette par derrière. Qui est là pour ne pas faire un accident? Deuxième accident, on fait le motocyclette. Heureusement, on utilise leur, comment ça s'appelle? Nouvelle route, vous voyez. Parce qu'il y a un véhicule qui veut descendre, ça, comme tu peux mort. Mon motocyclette tombe en bas. La roue plate, je rappelle, rappelle, lendemain matin, je l'amène un gros comme ça. Ou bien ça comme un conduit. Vous voyez? L'état de la carte, je suis en train de rire dans mes oreilles.
mon empêche-toi donc, il vient ça démon là. Vous voyez? Et moi, vous êtes à l'époque, mon plutôt gain père. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'avant, puisse-moi faire l'année. Il n'y a pas qu'avant, faire certaines choses. Il n'y a pas capable. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-nous guider une cause, une raison. Qui faire? Est-ce qui? Et n'a pas l'empêchement. Laissez-moi expliquer ça comme ça. Qui Satan servit pour bloc ou bénédiction sur n'importe quelle forme? Santé, l'argent, promotion, l'avenir, ministère, etc. Première cause qui m'a fait trouver pendant des années, c'est la sorcellerie. N'a pas traité ça à la légère. Satan servit la sorcellerie pour lui opposer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Voyez. Bon, vous lisez ça donc dans Actes des Apôtres, chapitre 13 avec vous. L'apôtre Paul, qu'il veut faire l'apôtre Paul? Il veut prêcher l'évangile dans l'endroit avec un Romain. Mais tu cite le verset sans qu'il m'ait besoin, comment ça s'appelle, l'Iali, mais il fait nous du bien quand nous l'Iali tout de même. Il cause qu'un sorcier crée l'opposition. Merci Seigneur. Le verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, en anglais c'est sorcier, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bon, Jésus-Christ avec un bar. Moi, je dis ça parce que. Il est tellement comique. Moi, vous prenez trop beaucoup de temps pour expliquer ça, et puis donc, il va vaut la peine. Bar Jésus. Qui est le de Bar Jésus ou bien? Pas connu. Il n'est pas grave, Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül, c'est-à-dire Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Guette bien donc. Ça, ces fromains-là, ils manifestaient désir pour entendre la parole de Dieu. Mais, Elimas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Leur faisait obstacle, en anglais. Leur faisait résistance. Vous voyez, mauvaise cause maintenant, donc tout le monde leader, écoute-moi bien là. Si vous ne pas convaincre résistant dans le ministère, vous vous découragez. Ou pas envie de continuer, ou bien on peut travailler même, on ne peut trouver le résultat. Mais il n'est pas juste au point de vue ministère. Tout ce qui vous peut attendre de bon, Satan lui redonne raison pour lui opposer. À travers la sorcellerie. Vous voyez? Vous en comprenez donc que nous, les enfants de Dieu, nous sommes adversaires, l'ennemi direct de sorcier. Pour pas l'ennemi de sorcier, mon ennemi, la sorcellerie qu'ils ont pu pratiquer. Mais pourquoi vous comprenez ce que mon père dit là? Amen. Sorcier pas content, nous. Ah non, non. Mais tu prends les temps, explique-nous comment Maurice Cérulo, l'ennemi a vaincu la sorcellerie dans beaucoup de pays. Dick Burner, vous voyez, un grand homme de Dieu également. D'ailleurs, mes enfants, Maurice Cérulo, allent dans l'église, vous voyez. L'ennemi a vaincu la sorcellerie pour les riches vivants. Et pour ce, l'église grandit. C'est l'église sortie 71 ou 6 000 du monde, quand il vainque l'opposition, quand il vainque la sorcellerie. Donc, ça, c'est une première cause, une première raison. Voyez? Parce que, vous devez comprendre que, travail qu'il nous peut faire, quand nous puissions chasser des démons, ben, le sorcier peut perdre du client. Qui s'en a content de perdre du client? Perdre du client veut dire perdre la monnaie. Perdre la monnaie veut dire que je n'ai plus connu que vous pouvez faire. Alors, je trouve dans tout le temps, donc, faire ceci, faire cela. Vous voyez? Avoir, ben, si je suis capable. Hein? Si je suis capable, viens aller. Mais tu cas de nous beaucoup de témoignages, mais moi, pour réserver ça pour un autre moment, contre moi, pour cause beaucoup, beaucoup contre la sorcellerie. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, il y a presque la même chose. Il expliquait comment, ben, le sorcier, donc, eh bien, qui oppose Moïse. Je vais lire ça avec vous. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 8. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a de même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas des noms-là apparaître. Mais si vous lisez l'histoire des Juifs, vous pourrez remarquer donc, eh bien, que Jannès et Jambres, traditionnellement, c'était des sorciers, donc, eh bien, dans la cour de Pharaon, qui dit justement faire face et oppose Moïse. Mais laisse-nous expliquer ceci. Qu'il y ait Paul, qu'il y ait Moïse et Aaron, il y a la victoire. Contre toute opposition,
adversité, résistance envoyée par la sorcellerie. Vous voyez, moi pas content quand même qu'il demande cause sorcellerie, comme si dirait donc, eh bien, sorcellerie plus grand que la puissance du Saint-Esprit. Avant même, moi tu rentres dans la délivrance, mon vaincre, mon résister, mon sache au moins 3-4 sorciers. Ça, c'est comme on a dit tout. Vous voyez, on pas tant qu'on la délivrance, on a 15 ans, ah pardon, on a 16 ans, 18 ans, on pas faire. Moi, je déclare à moi-même, pour la honte, ça, m'appelle-moi enfant de Dieu, mon père et sorcier, tu peux servir Satan, tu peux servir bon Dieu, que c'est la plus fort, que c'est la plus fort. Merci Seigneur. On s'assortit dans l'église, on s'assortit dans mon lacal, on s'assortit dans l'oximé, ça c'est résister. Amen. Un jour, je me rappelle donc, eh bien, mon type tient à moi, un frère t'appelle donc, eh bien, Rangasamikani, un autre t'appelle Seaza Ramji, un autre t'appelle Prigaven Katasami, nous devons marcher donc, vous voyez, vers 7h30, 8h le soir, un madame, sorcier donc, eh bien, vous voyez, pécasse aux histoires donc, eh bien, au milieu chimé, la grande route, vous voyez, nous fait à part, les galoper, merci Seigneur, et les bâtiments encore fini, casse sa cocola, mon casse sa cocola, mon manger, au nom des Zézi. Amen, amen, amen. Non, pas père, comment vous père? Vous voyez, on va nous sanctifier lui. Amen, amen. Parce que si nous pouvons manger quelque chose, vous connaissez qui parle, tout quelque chose qui l'a marché, il a tracé Satan l'eau là. Ban commerce, ban port ici, ban sigle, ban emblème, etc. Mais mon rend grâce, mon manger. Je ne veux pas dire que je peux mourir défunt. Mais mon fait ça par esprit, ça trois avec moi là, je gagne à eux. Cyril, 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 tranquille toi. Amen, amen, mon papa, hein. Vous voyez. Mais, mon désarme, c'est avec un chrétien. Je trouve un symbole sorcellerie, là aussi, mais c'est loin comme ça. Mais qui c'est ça? Oh mon Dieu, mon Dieu. Moi, comment tu fais donc, eh bien, galoper la plage, Albion. Là, qui vous trouvez, là? Vous voyez? Dimanche tantôt, tout paraît propre, lundi grand matin. Coco banane. On fait un coup de pied de sa bande d'affaires, là. Coup de pied, mon camarade. Amen, amen. Du monde, dit moi, ah, vous, monsieur, vous connaissez, vous connaissez, certainement, vous connaissez, vous vivez comme moi, vivez comme moi. Crois dans Jésus, pareil comme moi. Etc., etc. Merci, Jésus. On n'a pas payé Satan. On respectait au bon Dieu, au content au bon Dieu, on n'a pas payé Satan. Merci, Seigneur. Donc, mon père montre les autres qui, la sorcellerie crée ban résistance. Amen. Au quatre, vous, pas gain la prière que je sais, ou comment ça s'appelle? Au ministère pas développé, ou l'argent bloqué, parce qu'il y a une blocage, pas une sorcellerie. Merci Seigneur. Dixième raison, vous voyez, et je connais ce que je peux dire, ça, je comprends en partie. Je comprends en partie. Mais, et puis donc, eh bien, avec certaines recherches, je n'arrive plus à comprendre encore. Avec les apôtres, ça fait 12. Il raconte même quelque chose qui, peut-être, ne peine prend lui en profondeur. Dites-moi pour y aller pour vous, là. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Actes des apôtres, pas des apôtres. L'Apocalypse, vous vient dire. Chapitre 12. Moi, pour lire avec vous, donc, le verset 10, 11 et 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils, ban croyants, ban saints, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça, c'est très important qu'ils réalisent ça. Pourquoi dire accusé? Qui fait rien qu'il accuse quelqu'un? Pour les cas condamnés. Et quand quelqu'un est condamné, il n'est pas libéré, il a payé la manne, il est emprisonné. Satan, c'est l'accusateur. Il y a le devant Dieu. Dieu, jamais, il peut condamner. C'est Satan qui condamne nous, qui redaccuse nous. Vous voyez? Et moi, quand j'entends beaucoup de témoignages positifs, là. Et un qui me plaît résumé à moi, c'est le frère Joseph Prince. Il a raconté qu'il lit avec tout ce bon leader. Il tombe malade. Et là, Dieu dit, il est comme ça, donc, Satan peut accuser toi avec ton bon leader. Et il peut servir un chrétien pour faire ça. Vous voyez? Alors, tous les grands matins, que vous besoin faire? Parce qu'il donne la réponse, là. Ayou, Satan, puis accuse-moi. Mais vainque sur l'accusation. Satan accuse-toi. Le sang de Jésus-Christ, il blanchit-toi. Ton casier vierge, ton dossier propre. Amen, amen. Tu es blanchi par le sang de l'agneau. La Bible appelle Jésus-Christ un avocat. Qui est un avocat faire? Il défend nous. Avocat de la défense. Satan accusait, Jésus défend. Qui s'en a plus grand, mon camarade? Qui s'en a plus grand? Ou grand frère, Jésus-Christ, avocat, il défend nous. On fait quelque chose qui n'est pas bizarre, on tombe,
Levé donc, et bien remis toi debout. Il y a Jésus-Christ, mon avocat, tu te défends moi. Satan n'a pas pris un droit pour lui condamner moi, pour lui garder moi malheureux, pour lui punir moi, pour lui faire moi payer les pots cassés. Amen. Bien important. Il n'est pas capable de bloquer moi. Il n'est pas capable d'empêcher ma gagne ce que j'ai besoin. Il n'est pas capable donc freiner mes bénédictions. Très important. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce que vous dites là, donc, il a ajouté avec. Qui a ajouté avec? Il a ajouté avec ce qui donc, eh bien, m'a fait dire là. Que le nom de Dieu soit béni. C'est, moi, appelle ça, ou bien, nous appelons ça prière de l'âme. Et, na, et na, du monde, il rit, moi, comment dire ça? Qui prie, prière de l'âme, quoi? Et quand je danse, je tape, moi, la porte. Oui, même du monde. Ayo, pasteur, moi, tu connais pas livré. Moi, je raconte toutes les histoires vraies, hein. Moi, tu as envie d'y aller comme ça. Reste encore, je suis au prière de l'âme. 3 jours après, tu viens guette moi. Là, moi, je dis non, laisse-moi être compatissant. Et miséricordieux. Vrai même ça. Mon tout dit, pas qu'à dormir à soir. Mon tout bandit, près de la mort, à cause de sa bande d'affaires-là. Quitte la prière de l'âme, parce que la Bible dit nous, donc, eh bien, fait en toutes sortes de prières en esprit. Le pape Rodi dit nous, donc, mot croire, que toute la prière qu'il nous fait, nous besoin de prier en langue. Non. Il dit nous besoin de nous guider par nous l'esprit quand nous prions. Parce que quand nous âmes rentre dans la prière, un âme malade, ne pas vous prier avec amour, ne vous prier avec vengeance, ne vous prier avec froideur, ne vous prier avec rancune. Vous voyez, c'est ça le mauvais côté. Qui, quand c'est chrétien, il croit donc eh bien, que Satan et que bon Dieu font le même travail. Alors je dis à bon Dieu, punis un tel, bloque un tel, empêche un tel. Je te résume à eux qu'un chrétien passe par une épreuve. Ça, il n'y a pas un sentiment qui vient de Dieu. Vous voyez, même un du monde mauvais, aux yeux de Dieu et à mes yeux. S'il arrive un malheur, vous avez un mot pour réjouir moi. Parce que ce malheur-là, c'est Satan qui peut faire ça. Il ne faut pas pour réjouir moi, il y aura une œuvre que Satan peut faire. Non. Si ça, quelqu'un a un problème, il ne faut pas pour réjouir moi. Parce que c'est Satan qui donne ce problème-là. Mais réjouir moi, il y aura une œuvre que Dieu fait. Non, moi aussi que Satan fait. Non, moi, pour prier pour lui, moi, pour dire Seigneur, fais-lui venir à la repentance. Vous voyez? Non. Il ne faut pas souhaiter que quelqu'un gagne mauvais quelque chose. Bon, pas quand même. C'est une des raisons qui fait pas régulièrement, mon prier contre prière de l'âme. Mais c'est quelque temps là, mon bizarre fait aller. Même au niveau, écoute-moi bien, mon bizarre dit ça là, au niveau de message qui m'a pu faire, donc, eh bien, le YouTube, le média. À un moment donné, mon gain un empêchement au niveau physique, dans les autres niveaux aussi, donc. Oh mon Dieu. Vous voyez, mon content pressé, mon content prépare mon message. Plus qu'il y a un plaisir, il y a une passion dans moi. Vous voyez, prépare-le, guette sa versée là, lié avec moi-même, vous voyez. Mais c'est même l'opposition m'a gagné là. C'est même résistance m'a gagné là. Vous voyez, à un moment donné, vous dire, Seigneur, dans mon corps physique, vous voyez, à peine capable de causer, la joue gonflée. Vous voyez, et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et moi, dis-moi, Dieu ne peut prier contre toi. À partir de ce moment-là, vous voyez, je trouve soulagement, je trouve une accélération rapide dans mon restauration. Incroyable. Que tu peux bloquer, vous voyez donc, eh bien, la santé, mon restauration. Que tu peux même, je me rappelle, il y a un jour, je me disais faire le message des fois. Son papier morcé, il fait grincer par ici, vous voyez. Le frère Emmanuel, il gagne de ce côté, donc, sa papier est monté, ça peut être upload. Ou download, nous faisons upload pour qu'il regarde. Vous voyez, c'est qu'à 1h du matin, il faisait travail. Bon, l'appareil, donc, eh bien, au lieu, il prend 54 minutes pour lui faire un travail, il prend 4h de temps, 10 minutes. Vous voyez, ça bloque là, il n'est pas qu'à venir de Dieu. Nous prenons l'autorité, là pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, brise ban prière de l'âme. Mais même si vous connaissez quelqu'un n'est pas content, il peut prier contre vous. N'a pas faire ça avec une lamiatume. L'amertume pas capable de répondre à l'amertume. C'est l'amour qui répond à l'amertume. C'est la douceur qui répond donc à la violence. Dieu Seigneur, je ne pas connaître ce que je peux faire. Moi, bénis. Est-ce que la Bible pas dit non? Bénissez, ne maudissez pas. Ou bénis, ou pas maudissez. Qui connaît qui plus tard, je suis un plus grand chrétien. Bon disciple. Amen, amen. Nous pétons ces quelques temps, donc, eh bien, beaucoup de gens, papés contents, qui bandit, on peut convertir, nous peut faire baptême, pas juste nous, l'église en général. Mais, moi, prier pour ça, bandit, on persécuteur, là. L'apôtre Paul qui l'était avant, lui, c'est qu'il vient de venir. Vous voyez? Ok. Un autre quelque chose maintenant, donc, et là aussi, moi, t'es content, ou écoute-moi bien, mon camarade, ou écoute-moi bien. Qui est capable de bloquer le plan de Dieu dans la vie?
On finit qu'on est qui m'a boutir parce que moi, j'ai dit d'aller là. Job, chapitre 38. Job. Chapitre 38 et le verset 2. Quand on s'est découvert ça, on dit Seigneur mon Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui dit ça avec Job là. Vous connaissez Job, il peut plaigner. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il t'en fait? Mon petit visage, qui fait un petit mot, qui fait porte, qui fait porte là-bas, qui fait porte, qui fait une arrêt, moi ça, qui fait badada. Et lui, il croit, bon Dieu, qu'il rend ni malade, bon Dieu, qu'il prend ses bons enfants, bon Dieu, bon. Il ne confond, il ne pas te connaît, ça se comprend. Il est excusable, Job. Il ne pas tient à la Bible, il ne pas tient à la révélation. Vous voyez? Mais maintenant, regardez, Dieu cause avec lui. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Comment? Par des discours sans intelligence. Discours, c'est bonne parole. Sans intelligence veut dire insensé. Pénassant dans ce qu'il te peut faire. Tu peux mélanger tout ensemble. Job te peut dire, moi, peut faire ce qui moi, moi, peut faire. Vous voyez? Merci, Seigneur. Amen. Le mot obscurci en anglais, c'est le mot withhold. Ça veut dire retenir. Alors, Dieu dira avec Job, qui s'en a par sa façon causée, ce discours sans intelligence, puis retenir mon plan dans la vie. Puis empêche-moi accomplir ce qu'ils m'ont envie de faire. Ça veut dire, Dieu peut redire avec Job, mon papa a envie de tarder, moi, pour accomplir ce qu'ils m'ont envie d'accomplir. Ton discours sans intelligence, puis freine-moi, puis bloque-moi, puis empêche-moi de faire ce qu'ils m'ont besoin de faire. Là, il est là pour toi. Tu connais les là donc, eh bien, Job, lui dire, Seigneur, m'a repenti. Et gloire à Dieu, nous tous nous connaissons donc, eh bien, Job, pour dire maintenant, Seigneur, m'a reconnaît que tu es capable de faire tout. Alléluia. Et nous tous connaissons cette grande restauration de Job. À coup simple, vous avez un vélo, c'est que vous dire. Amen. Vous voyez, vélo, c'est que vous dire. D'ailleurs, nous cause beaucoup l'eau là quand nous cause l'eau la foi. Mon bon frère, mon bon sœur. Alléluia. M'aurait dire ceci, dans tout sa bande cas qui nous fait une cité là, quelle que soit la grandeur de l'opposition de Satan, à travers sorcellerie, à travers port ici, à travers parlava, à travers Benjamin, les enfants de Dieu, quand ils font ce qu'ils visent faire, ils vainquent ces obstacles. Vous voyez, Néhémie et Esdras, ils sont capables, ils réussissent pour construire la muraille de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Alléluia. L'apôtre Paul, il réussit à gagner le centenier romain, sauvé, amen, converti au Seigneur. Jésus-Christ, il réussit, amen, à chasser le démon. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, si vous lisez la Bible, où vous trouvez qu'il est l'apôtre Paul, malgré l'indien comme ça, donc, Satan finit en plus moi une ou deux fois, vous voyez, mais avec Timothée, plus tard, il dit, Dieu, il me délivre moi dans tout mon ban de l'épreuve. Mon vin, tout mon bébête, à Éphèse. Vous voyez, l'une sortie vainqueur. Il y a Dieu de toutes ces épreuves, l'une délivre-moi. Ça vient l'une vainque tout mon obstacle, tout mon opposition pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Bon, vous voyez où ceci maintenant? Si on vient en accélération, gloire à Dieu, dans la vie, une accélération au niveau miracle, au niveau bénédiction, on vous a posé la question. Est-ce qu'il, par ce qu'il m'a faire, par ce qu'il m'a dire, m'a fait coopérer avec bon Dieu, ou bien est-ce qu'il m'a fait coopérer avec Satan? Comment on peut coopérer avec bon Dieu? Vous dire où là? Comment on peut coopérer avec Satan? Vous faites dire où là? Quand on cause un langage qui n'est pas bizarre, on peut coopérer avec Satan. Ou puis servir ce langage, ou dans ce camp, ou pas qu'à vaincre. Mets-toi opposé à Satan. Cause par la foi. Les là, tu pouvais vaincre. Merci Seigneur. Laisse-moi expliquer ça. On ne va pas vous gagner les temps, rentrer en grand détail. Mais qui vous pensez? Dieu peut envie de délivrer Israël. Merci Seigneur. Amen. Il peut envie de délivrer Israël. À travers Josué. Josué, ça peut dire ça. À un moment donné, il arrive noir, fer noir, pas qu'à la guerre. Pas comme Azodi. Azodi, qu'à la guerre à soi aussi. Du moins, qu'à rescoter dans ce pays, il y a une bombe dans notre pays. Autant non. On faisait face à face avec l'ennemi. Il arrive tard. Jésus est maintenant, puis envie de gagner une victoire accélérée, pas tardée. Vous connaissez qu'il y fait? Eh bien, pour lui gagner cette victoire-là, il faut des lisous continuer. Le soleil n'a pas dormi.
soleil continue à briller, il n'a pas hésité pour dire soleil continue à briller. La terre continue reste éclairée. La Bible dit nous, bon Dieu, écoute-les. Ça veut dire beaucoup de choses. L'autorité qu'un homme a quand il est dans le plan de Dieu. Cela veut dire aussi pour moi, Dieu, il dit à Josué, oui, mais on n'a pas eu aucun retard dans la victoire qui est obligée à gagner. Prends l'Esther la même. Dieu pour accélérer au miracle, même jusqu'à arrêter le soleil et la lune. Incroyable. Il va bien faire ça, vous voyez. Mais si tu faisais faire l'île, pour faire l'île. D'ailleurs, il fait une quelque chose plus grand que ça. Si on dit, tu arrêtes le soleil et la lune tous les jours. Ou péché, tu pourrais soupécher aux maladies, Mais quand l'une de nous, Jésus-Christ, l'aura la croix, ça finit de résoudre tout bon problème. Cela vient l'infini faire tout ce qu'il est besoin faire pour gagner ce que vous piétanez, vos frères Moïse. Un autre quelque chose que bon Dieu dira avec Josué, pour montrer où qu'il a donc, peine à personne pour qu'il a coup, résister où, sous n'importe quelle forme. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, la Bible vient nous très clairement. Merci Seigneur. Parmi les promesses que Dieu fera avec Josué, il n'y a personne, pas pour capable, tenir devant toi tant qu'il te vive. Qui lui peut redire? Personne pas pour qu'à vous toi. Personne pas pour qu'à résister toi. Personne pas pour capable, empêche toi, gagne l'endroit qui t'a envie de gagner. Nul ne tiendra devant toi. Oui, il appelle Josué. Moi, bien content, il appelle Josué. Mais, tu as besoin de comprendre quelque chose. Josué, tu es dans l'ancienne alliance. Nous, nous, dans la nouvelle alliance, qui est meilleur et qui n'a pas de meilleure promesse. Si maintenant il y a un verset qui correspond avec ce qui nous fait lire concernant Josué, c'est ce que Jésus-Christ dit. On a notre pouvoir et l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, on comporte ça des mots-là maintenant. Dieu dira avec Josué, nul n'a pas pour capable faire face à toi. Nul ne tiendra devant toi. Personne ne peut pas dire, mopé bout aussi, mais. Jésus-Christ dit, rien ne pourra vous nuire. Il dit, marchez, l'autobahn serpent, rien ne pourra vous nuire. Presque même promesse, mais dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus grand. Parce qu'il est montré donc qu'il dit, bon, vous donnez le pouvoir pour marcher. Ou tout le connaît, on nous explique ça quand on marche ou puis avancer, ou puis aller de l'avant. Merci Seigneur. Il dit, quand on marche, papa, il n'y a aucun obstacle qui ne peut pas venir à toi. Mon ben, frère, mon ben, sœur, l'époque finit d'arriver, papa. Pour nous croire dans ce qui est bon Dieu, Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, il ne faudrait pas vous dire, mon capable. Non, pas souhaiter. Vous avez l'assurance qu'il est capable. Celui qui est avec nous, il ne jamais faillir. Il ne jamais faillir. Vous voyez, mon croix, quand moi, tu crois nos protections, moi, tu crois ceci, mes frères, mes sœurs, Dieu qui veille, nous jamais l'idormir. Vous voyez, alors, vous ne connaissez qu'à arriver à soir. Hein? Mais, fermez-vous les yeux. Dormir, gloire à Dieu. Bien sûr, rendre grâce à Dieu avoir dormi. Laisse bon Dieu veiller avec ce banan. N'a pas peur. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Ah, on arrive à perdre quelque chose dans la cour. Eh bien, il arrive, moi, ici, donc. Un chat est venu, une coquine d'affaires dans la cuisine. On va dire ou quoi, parce que penser que moi, tiens, alors, ça chat là. Moi, j'ai envie de ressusciter mon grand-mère. Marga, je suis content, moi, chat là. Donnez ça chat là pour lui manger. Non, mon réclame bénédiction. Amen, amen. On ne va pas exagérer, mais on gagne 4 fois plus beaucoup de bénédictions dans une seule jour. Amen, amen, amen. Ok. Merci Seigneur. Alors, s'il y a arrivé quelque chose arrivé, amen, n'a pas appelé ça un blocage, dire Seigneur, me réclame une bénédiction maintenant. Me réclame, c'est dire Alléluia, une restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me répéter encore, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui, ça, il dira à Josué, ah, vraiment, lire un chapitre avant. Des 3 chapitres avant dans Deutéronome, il y a avec tout le peuple d'Israël, personne pas pourquoi tenir devant eux. Parce que c'est avec Jésus, il y a ça. Avec chaque enfant de Dieu, il y a ça. Amen, amen, merci Seigneur. Maintenant, regardez, là, moi, pour lire ça avec vous, je suis content de lire ça avec vous, qui fait pas lire ça avec vous. Matthieu, chapitre 18, dans 10 minutes, nous allons terminer. Gloire à Dieu. Mon bonne caméra, Lili Béguinfin. Amen, gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous allez trouver Matthieu. Matthieu 18, verset 18. Je lis verset. Vous connaissez ce verset-là, il a une grande importance pour moi. Gloire à Dieu. Dès qu'il dit, le verset 18. Je vous le dis en vérité.
pasteur qui fait l'idée ça, nous imaginer qu'il a nous trouve six, nous lire ce que Jésus-Christ dit. Mais nous pas compte sur l'intonation et nous pas compte sur le geste, sur le body language, comme on dit. Mais il y a un juif pour dire où, quand quelqu'un dit en vérité, il est sur la main. Pour faire tout le monde comprendre, qu'il nous vient prendre ça aussi. En vérité. Vous voyez, il dit ça donc et bien concernant transporte les montagnes, il dit ça donc et bien concernant ici. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc là, la Bible montre nous donc, c'est pas Satan qui a le pouvoir pour lier, pour délier tout ce qui est en vie, c'est nous qui avons le pouvoir. Vous voyez, nous n'avons pas le pouvoir pour délier ce qui est lié, pour ouvrir la porte qui est fermée, et pour fermer la porte qui est garde ouverte. Nous n'avons pas le pouvoir pour faire tout accès à Satan. Nous n'avons pas le pouvoir pour ouvrir tout la porte qui est rebloquée. Nous n'avons pas le pouvoir pour empêcher le travail dans nos lacades, etc., dans nos ministères, dans nos foyers, pour peut dire donc, eh bien, dans nos la vie financière, dans nos cours, etc., etc. Très important que je te réalise ça. Amen. Alors, laisse-nous servir ce pouvoir-là. Je me rappelle donc, eh bien, il est temps de lire ça, je me dis, tout ce qui m'a lié. Mais ça, à l'époque-là, je n'ai pas même la Bible en anglais, c'est la Bible en français. Mais mon servi est tout de même. Et mon trou dit trois miracles. Ah, moi, vous avez dit autres, la vérité, on ne m'a pas caché d'autres, d'ailleurs, on a caché. C'est le frère Maurice Cirulo, qui tu met beaucoup l'emphase, là, dans l'école ministère. Ah, mon camarade, là, mon content, là. Justement, il racontait qu'il y a dans l'endroit pour faire croisade, il est lié tout dans l'esprit, donc, pour ici, par là-bas, il est délié dans l'esprit qui vient. Alors, il était au Sud-Afrique, donc, pendant 15 jours. Vous voyez, beaucoup de miracles sont arrivés. Beaucoup de miracles incroyables qui arrivaient. Mais les temps liquides, Sud-Afrique, il y a en Amérique, pendant les prochains 15 jours, arrivent beaucoup de miracles, comme si je dirais encore la même. Ben, la téléphonie, ça, quelqu'un qui téléphonie, c'est le frère Badenos, qui était à l'époque le bishop modérateur de l'Église de Dieu au Sud-Afrique. Il y a frère Cirulo, mais qui fait risquer d'encore plus tout miracle, et puis il a arrêté. Après 15 jours, tout miracle arrêté. Il dit comme ça, mon lié ban démon, juste pour un mois, mon délié l'esprit guérison, juste pour un mois. Fini la même. Super! Tout le monde soqué. Il y a ça pouvoir là. Il y a, oui, ça pouvoir là aussi, nous, là. Il y a mon délié l'esprit guérison, juste pour un mois. Alors, même ça veut dire, même l'état moi aller, l'esprit de guérison encore peut manifester. Maintenant, m'obéir ça pour la gloire de Dieu. Il est arrivé parfois, quand moi, je fais une réunion, comment ça s'appelle, convention. Le pasteur, dis-moi pasteur, les temps où on allait, même l'onction, même l'adoration continue. Ça même au bout des autres, non. On dit gloire à Dieu, frère, continue comme ça même. Mais mon croire, c'est ça que la prière qui m'ont fait, convention team qui m'ont fait, nous lier ce qui vous a lié, délier ce qui vous a délié. Amen. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Laisse-nous servir, c'est la force qui bon Dieu finit de nous là. Laisse-nous délier tout le monde bon quelque chose qui nous vous a délié. Alléluia. Amen. Et nous brise tout l'empêchement de Satan. Nous détruire ce bon empêchement. Nous lier ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, pasteur, vous connaissez, moi, j'ai une difficulté pour prier. Délier, le mot délier veut dire permettre, donner les libertés. Délier l'esprit de la prière en toi, l'esprit de la louange, l'esprit sainte cantique. Délier la santé dans tous les corps. Amen. Alléluia. Délier donc une promesse de Dieu dans toute la vie. Et lier une force adverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dernier quelque chose qui m'a oublié, pour lier le diable, pour empêcher, c'est la louange. Parce que la Bible dit dans le psaume 150. Quand nous louons bon Dieu, nous attachons l'adversaire. Amen. Le psaume 8, nous imposons le silence. Nous empêchons de faire ce qu'il a envie de faire. Nous tirons vengeance, l'orli. Pour rendre la vie de louange solide tous les jours. Pas jusqu'à aucun quelque chose. Non, les visions de l'habitude. La Bible dit qu'on a trois niveaux de louange, ou bien, laisse-moi dire, trois façons qui vous ont fait la louange. Avec tous les cœurs, de plus en plus. Amen. Avec tous les cœurs, de plus en plus et en tout temps. En tout temps, vous allez louer bon Dieu. De plus en plus, vous allez louer bon Dieu. Alléluia. En tout temps, vous allez louer. Et avec tous les cœurs. Trois quelque chose concernant la louange. Ou fait-il. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, vous demandez, répétez cette prière avec moi. Et puis, moi, vous faire une annonce. Que le nom de Dieu soit béni.
dire, Seigneur mon Dieu, me dis-toi merci. Te donne-moi pouvoir pour empêcher le diable. Bloque mon bénédiction. Mon un pouvoir pour résister lui. Désormais, mon n'est plus pour permettre lui. Bloque mon bénédiction. Mon fait critander. Te exauce-moi promptement. Tout de suite. Tu n'as pas tordé. Tu n'as même dit, tordra-t-il à leur égard? Tu n'as pas tordé. Moi, dis-toi merci concernant mon guérison, mon bénédiction. Tu ne finis de commander ça. C'est écrit. C'est à moi de croire. Alléluia. Moi, dis-toi merci. Le retard n'est pas venu de toi. Bien au contraire. Tu peux attendre qu'il aime me croire et me vaincre l'adversaire. Est-ce qu'il ne t'a pas fini de commander d'avance pour Élie se manger, se boire? Est-ce qu'il ne t'a pas dit d'avance avec Abraham, tu ne finis de faire lui une papa enfant? Autant pour Josué, tu ne finis de donner lui la ville de Jéricho? Merci mon Dieu. Ça m'a dit que cela finit d'écrire. Tu me prends l'exemple là. On dit ah, merci mon Dieu. Mon lien à ta parole, qui est un chef démon, qui résistait cet ange qui t'a envoyé pour donner la réponse à Daniel. Mais gloire à Dieu, il gagne la victoire. Moi, on a l'exemple de ta parole, Néhémie et Esdras, pas qu'ils les autres intimidés par l'empêchement. C'est une complète la construction. Alléluia. Seigneur, moi, dis-toi merci. Au lieu de ta parole, Paul finit vaincre la sorcellerie. Alléluia. Moi, loue-toi, Seigneur. Si y en a un acte de sorcellerie contre moi, moi, détruis les autres. Et tous les matins, moi, pour faire comme à David, moi, pour délivrer moi-même de toute bonne méchanceté que les autres peuvent envoyer dans ma vie. Merci Seigneur. Moi dis-toi merci. Toute mon accusation qui existait contre moi, je t'ai effacé par le sang de Jésus. Devant Dieu, moi parfaitement pur, moi blanchi, complètement justifié, ayant tout droit à toutes sortes de bénédictions. Moi anéanti toute mon la prière démoniaque contre moi, mon mauvais désir. Une parole de haine, d'amertume contre moi. Je ne pas qu'elle va affecter mon corps, ni mon vie spirituelle, ni mon vie finance, sous n'importe quelle forme. Seigneur, pardonne-moi si par mon discours insensé, vous finissez en piste agir dans mon vie. Vous pouvez l'eau ce qu'il m'a dit. Vous vous prononcez seulement une parole de vie. Dans le nom de Jésus, me confessez. Personne n'a pas pour qu'à tenir devant moi tant qu'il me vive. Mon confessé, mon marche l'eau toute la puissance de l'ennemi, n'a pas pour capable nuire à moi. Mon poids le temps loin qui besoin. Accomplir tout ce que mon besoin. Recevoir tout ce que mon besoin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, toi merci. Mon pour louer toi en tout temps. Avec tout mon équerre. Et de plus en plus, quand moi loue toi, alléluia, moi à l'aise, Satan lui vient dispersé, lui confondu. Oui Seigneur, moi impose du silence, tout l'empêchement, l'obstacle détruire et tout intervenir. Merci mon Dieu, amen. Maintenant, si vous êtes malade, pose-toi la main, l'autre l'équerre, pour vous prier pour vous maintenant. Seigneur, comme ton serviteur, c'est toi qui n'as moi prêche ta parole et guéris les malades. Il ne faut pas juste prêcher. Il faut être puissant de guérison manifestée dans tous les corps. Il commence à côté l'ici droite la guérir au nom de Jésus. Il commence à douler dans la tête, dans, derrière la tête là, disparaître. C'est une brûlure. Il commande arrêter au nom de Jésus. Grossir dans la gauche, disparaître au nom de Jésus. La main droite capable de lever maintenant, douler disparaître. Grossir dans le ventre, disparaître au nom de Jésus. Seigneur, me louez-toi.
me donne-toi la gloire dans le nom de Christ. Alléluia. Me vaincre, sinusite, par la puissance du Saint-Esprit. Pancréas, me commande-toi travail dans le nom de Jésus-Christ. Les foies, refonctionner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ulcère, disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, me délier la puissance de la santé, de la guérison. Me lier la puissance de la maladie par la puissance du Saint-Esprit. Merci mon Dieu, alléluia, amen. Maintenant donc comme annonce, et je te connais dans mercredi, à Bobassin, on a habité faire une offrande, ou bien de n'importe qui l'église qui est allée les mardis, les jeudis, les vendredis, dans nos man- les lundis aussi, nous avons un rayon de délivrance, dans nos man- l'église, la voie de la délivrance, de God, de l'offrande, afin que quand l'église donc est bien libérée, des confinements disparaissent, le cadre donne tout un seul coup. Justement, c'est deuxième qui se loque moi pour cause avec autres. Alors, on peut en trois qui se bouge des autres. Et merci Seigneur pour cette offrande aussi, pareil, cette la dîme aussi. Nous comptons bon Dieu. Vous voyez, si mon astre quelque chose pour qui qu'elle. Et mon papa a trouvé qui qu'elle a dans des semaines qui m'a bouté lui, m'a bougé, mon papa dit, bon, mon vendre, moi, je prends l'argent là pour moi. Non. Ce qui est à Dieu est à Dieu. La dîme sont à Dieu. Ou passer Vili, ou Godly, jusqu'à donc que le déconfinement disparaisse. À propos du déconfinement, maintenant donc, eh bien, alléluia, nous pouvons prier pour un déconfinement total et tout retourne à la normale. À cause de cela, donc, ce vendredi, eh bien, nous sommes d'accord avec ben membre comité pour nous redemander le peuple, passe encore des trois lettres dans, minimum trois, dans le jeûne et dans la prière, afin que le déconfinement devienne total. Là, nous nous déconfinons en partie, avec beaucoup de restrictions. C'est mon plus grand désir que l'Église réunit dans tout bon endroit, tout bon l'Église. Vous voyez, nous capables de rétrôner, nous réprier ensemble, réécouter la parole de Dieu ensemble, répondre à la Sainte Seine ensemble pour la gloire de Dieu. Ceci dit, au revoir donc et à dimanche grand matin, mais pour cause le fondement de la foi. L'important qui vous connaît le qui ou la foi fondée. L'apôtre Paul explique ça très clairement. Vous voyez, ou pas qu'à croire dans n'importe quoi. Ou vous à croire spécifiquement dans certaines quelque chose que la Bible dit ou croire pour la foi divine solide. Ceci dit, allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.